La GSK va rester en première division. Donc arrêtez de manipuler la GSK, s'il vous plaît, à tous ceux, à tous les sportifs qui aiment le football, hein. À tous les Algériens, tous les Algériens qui aiment le football, hein, parce que même s'ils supportent, même s'ils sont pour l'histoire d'Alger, ou Mouloudia, d'Oran, ou de Batman, je ne sais pas quoi, là, ben, quand ils parlent, il y a le GSK au milieu. Je vous rassure, la GSK a été suffisamment bien manipulée pour qu'elle reste en première division. Pour que la GSK reste en première division, plusieurs façons. Il y a la compétence, la qualité de ses joueurs, de son encadrement, etc. Ah ben, ils vont se donner à fond, puisqu'ils sont des milliards, ils vont se donner à fond. Ils vont gagner tous les matchs qui leur restent. Et ils vont terminer le championnat dans la zone des non-relégables. Hein. J'ignore combien de clubs il y a, j'ignore combien d'équipes sont en deuxième division ou bien en régionale. Donc ils peuvent, en gagnant tous les matchs, en faisant des matchs nuls, etc., etc., que bon, ça c'est bien. Ils vont rester en National 1, première division. Bon, ils vont rester au niveau là. Donc nous, la GSK est sortie de la zone d'inquiétude, d'un point de vue sportif. Hein. Elle va rester en première division par les gains, par les victoires, les matchs joués. Elle va rester en première division en demandant à toutes les équipes qui vont jouer contre la GSK de lever le pied. C'est une solution, hein. Ils vont demander à toutes les équipes qui vont jouer contre la GSK de lever le pied. Ou bien faire gagner la GSK sur des matchs forfaits avec 3 points, etc. L'autre solution maintenant, déclencher un minimum de violence, hein, un tout petit peu, minimum de violence. Alger, ils s'interdisent. Alger, Tizouzou, ils s'interdisent. Béjaïa, non, c'est possible. À Oran, à Constantine, déclencher un minimum de violence contrôlée des spectateurs, paf. Et les généraux, ce n'est pas ça qui va leur faire peur. Ils vont annuler carrément le championnat. On arrête ce championnat. La GSK restera en première division. Il y aura des contre-coups, bien sûr. Les équipes qui ont espéré monter en première division nationale 1 vont rester là où elles sont. Les joueurs, les dirigeants qui ont pris des milliards, etc., ou bien des centaines de millions, etc., vont être satisfaits. Voilà. Ça, c'est le troisième cas de figure. Et il y a d'autres cas. Pourquoi j'insiste sur la paix maintenant en Algérie? Partout. Parce que le niveau de terreur est tel qu'il impacte même les Algériens établis à l'étranger. Nous qui sommes en Amérique du Nord sommes incapables d'organiser au moins des conférences publiques sur les gaz, sur l'exploitation de terres à mine, etc. Inviter des professeurs qui sont disponibles pour des conférences sur des sujets sur l'extractivisme, sur les droits de la nature, les droits de l'homme, etc. On appelle ça les coûts intertemporels. Parce que quand vous détruisez une nature comme celle de Ouadamézour, on est en 2024,
on va dire pour 2044, 2045, rien n'existera. Donc il faudra 2 millions d'années pour faire revivre la région. Il faudra peut-être un tremblement de terre qui va remettre tout ce qu'il faut là à la place, qui va déclencher un autre processus naturel. Si nous, au Canada et en Europe de l'Ouest, je parle de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, Belgique, Allemagne, il y a des Algériens là-bas, Italie, des universitaires, etc., qui peuvent organiser des conférences. Impossible. La terreur a débarqué en Amérique du Nord. Hein. Qu'en est-il de la terreur chez local? Si quelqu'un ouvre sa bouche, ils vont le prendre la nuit là. Ils vont le torturer là, ils vont le tuer là. Hey, il m'est impossible d'accepter d'avoir un milliardième, un millionième de responsabilité dans la détresse, pas de la personne directement qui sera bougée. De ses parents, de ses frères et sœurs, de son épouse, de ses enfants peut-être.